what? I like the players. No diggity, no doubt. Bonjour à tous, voici les consignes pour me rendre l'activité documentaire DM Lingotin. Donc je vous demande de faire ce DM à la maison. Donc, et ce que je vous souhaite, c'est que vous me rendez le DM de manière numérique, soit par le MT, soit par messagerie académique. Donc la date butoir pour le retour de ce DM, c'est le lundi 7 novembre 2022 à minuit. Donc soit ce DM, vous me le rendez par courriel sur le MT, ou par courriel académique, et donc je vous transmets ma messagerie académique, mon mail académique. Donc là aujourd'hui, ce que j'aimerais travailler avec vous aussi, c'est la rédaction d'un message. Donc voici comment on procède. Donc A, c'est le destinataire. Donc, ici, c'est mon adresse mail. Donc sur le MT, ça sera légèrement différent, on va le voir tout de suite. Objet, ça va être le titre, l'essentiel, les mots-clés concernant le message que vous voulez faire passer. Donc ici, c'est retour d'activité documentaire, où il va préciser votre nom, votre prénom et votre classe. Et là, voici ce qu'on appelle le corps du message. Et donc, ce que j'attends, c'est que vous me répondiez de cette manière-là. Bonjour, monsieur Kezoum. Veuillez trouver un piège joint de mon activité documentaire sur la densité en vous souhaitant bonne réception cordialement. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle la signature, prénom, virgule, nom, ou nom, virgule, prénom, peu importe, ce n'est pas si grave, élève de 3e X du collège Pablo Picasso. Et n'oubliez pas d'ajouter la pièce jointe qui aura ce format. Alors, pour ce faire, je vais vous expliquer où récupérer les documents. Alors, les documents, donc vous arrivez ici sur votre MT, vous allez sur votre espace documentaire, et là, vous allez dans les documents partagés, votre classe. Donc cette année 2022, cette vidéo s'adresse au 3e 2 et au 3e 3. Donc je vais par exemple ici en 3e 2, physique chimie. Et là, vous voyez le dossier DM Lingotin. Vous cliquez dessus et vous avez les documents qui se présentent de cette manière-là. Vous avez l'activité densité lingot au format PDF, la consigne au format PDF, l'activité au format DocX, donc c'est le format Microsoft Office, l'activité de densité lingot au format ODT, donc c'est le format LibreOffice, et vous avez respectivement les consignes au format, les consignes de l'activité au format DocX et les consignes au format d'activité au format ODT. Alors voici ce que je vous demande. Donc ici, là par exemple, vous avez l'activité au sujet au format Microsoft Word DocX. Donc voici l'activité que je vous demande de faire, et ce que je veux, c'est que vous puissiez prendre cette activité et répondre aux questions. Donc il y a plusieurs possibilités. La première possibilité est tout simplement d'y répondre juste en dessous. Donc par exemple, on peut dire que la marque du véhicule est une marque japonaise, donc on peut colorier s'il y a besoin aussi. Donc idem ici, on peut dire pendant ou ta choc, je dis n'importe quoi, hein. Donc du coup vous pouvez répondre à la suite des questions, si vous l'avez bien compris, ou alors tout simplement vous pouvez par exemple faire fichier, nouveau, document vierge, et là vous pouvez saisir totalement les questions. Une feuille blanche. L'origine japonaise, par exemple, question 2 PTAC signifie pendant tout l'heure, j'ai chargé mon téléphone. Donc voilà, par exemple, on peut faire de cette manière là. Alors, vous pouvez avoir la même chose sur LibreOffice. Vous voyez que c'est légèrement différent, la présentation des icônes est légèrement différente. Et vous pouvez également faire la même chose avec le PDF. Donc avec un PDF, ça peut être intéressant aussi de compléter le document directement sur le PDF, il est possible de le faire.
Et comme vous le voyez ici, vous avez trois QR codes qui peuvent vous aider. Et donc, vous cliquez sur le bouton, par exemple, remplir et signer, et vous avez normalement un petit onglet qui apparaît. Donc, vous pouvez remplir et signer, et là, vous voyez, par exemple, quelle est la marque de Mercedes et de marque de quelle origine. Donc, vous pouvez compléter la marque est belge. D'accord? Et donc, pareil, vous pouvez jouer sur la police, etc. PTAC, par exemple, on peut répondre. Puis, tout à la casse. Je dis n'importe quoi. Hein. Donc, vous pouvez répondre directement sur le PDF ici. Alors, une fois que c'est fait, ben, vous allez sur Fichier, Enregistrer sous. On vous demande d'enregistrer le document, donc les fichiers sur votre ordinateur. Donc, ici, je le mets sur le bureau. Ça ouvre une fenêtre. Et là, justement, vous voyez marqué nom, prénom, classe. Et donc là, je vais marquer le nom. Donc, c'est Martin. Donc, on va garder le même prénom. Le même nom, le même prénom. Jacques et la classe 3e 12. Pareil, c'est un peu arbitraire. Vous mettez votre classe 3e 2, 3e 3. Et donc là, j'enregistre. Ça enregistre directement sur le bureau. Alors, idem ici, hein, quand vous avez le document, vous faites fichier, enregistrer sous. Et là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et on vous demande, et vous avez le nom du fichier qui apparaît et vous le remplacez, vous marquez Martin. Martin. Jacques. Et la classe. 3e. Et donc là, j'enregistre. Pareil, moi je vais l'enregistrer sur le bureau. J'enregistre sur le bureau. Je m'embête pas. Voilà. Alors maintenant, on va revenir sur l'adresse mail. Comment résilier? Donc vous avez sur l'enveloppe, ici. Donc, la messagerie s'ouvre. Vous cliquez sur Nouveau message. Vous tapez mon nom, en fait, donc KHE, et vous voyez mon nom apparaître ici. Donc, vous choisissez. Là, vous marquez Objet. Donc, vous revenez sur le document si vous avez un trou de mémoire. Donc, Retour activité documentaire, nom, prénom, classe. Alors, moi, je vais utiliser un subterfuge, je vais faire un copier-coller pour gagner du temps. Je mets le nom, donc c'était Martin, Martin Jacques. La classe était de 3e 12. Et donc, dans le corps du mail, pareil, je vais faire un copier-coller. Je sélectionne avec la souris, le clic droit, le clic gauche de ma souris, CTRL-C. J'arrive ici, je viens ici, je fais CTRL-V. Et là, vous voyez que tout est écrit automatiquement. Donc, je mets des espaces pour aérer un peu le texte. Et là, à la place de nom, prénom, je mets Jacques Martin, élève de 3e 12. Donc, je peux mettre ce qu'on appelle une tabulation. Donc, ici, en fait, je joue uniquement sur la barre d'espace. Et donc là, le mail est quasiment rédigé. Il suffit juste de cliquer ici pour ajouter la pièce jointe. Et donc une nouvelle fenêtre arrive. Et vous avez le fichier qui est là. Et je le télécharge. Je clique sur Ouvrir. Donc il se télécharge. On le voit bien ici. Et là, je clique sur Envoyer. Donc, comme je me le suis envoyé à moi-même, eh bien, moi, du coup, je le retrouve ici. Voilà. Donc, voilà, j'attends vos mails, vos DM pour au plus tard le 7 novembre. Bon courage à tous.